Hey, bonjour à tous, c'est Idan. On se retrouve devant ce 23e let's play. Oui, je dis bien 23e. Donc on avait fini de faire quelques petites missions. Je vous ai montré un petit peu ce que ça donnait les missions avec les esclaves, hein, la vente d'esclaves. Donc on repart sur la mission principale, sur l'axe principal. Donc on va aller apparemment dans le QG de Bloom. Donc ça risque d'être intéressant et voilà, force irrépressible. Je sais pas ce que c'est, mais bon, on verra bien. D'agents de sécurité freelance. En gros, s'ils font une connerie, ils perdent leurs clients. Intéressant. Si je leur fais faire des conneries, ils enverront plus d'hommes. Et du coup, il y en aura moins au QG de Bloom. Ok. Je vois le topo. On va foutre le bordel. Voyons le parcours envoyé par T-Bone. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. Ok. C'est quoi le gros carré là? Ouais, bah je crois que c'est déjà un peu mal engagé. Je sais pas c'est quoi les carrés là. Il n'y a pas une seule bagnole qui vient par ici. On va essayer de voir si on n'a pas un peu plus de chance ailleurs. Je sais pas c'est quoi les gros losanges là, que je vois depuis tout à l'heure. Canalisation à péter, tu vois. Ça peut être rigolo, ça. Alors, normalement, si je me souviens bien. Ils m'ont repéré? Ah, ouais, ils m'ont repéré. Bon, on va leur échapper. Easy comme truc. Oups, ou pas. Je dis easy, puis je me prends un mur comme un con. Un mur. Un arbre. Allez, je vais y arriver, je vais y arriver. Oh nom de Dieu. Tout ça pour quoi? Tout ça pour qu'il me suive quand même. I believe I can fly. Allez, on rentre dedans. Ça pique hein, quand même. Bon. Écrasez-le, allez-y. Essayez de faire autre chose parce que là je suis en train de me faire dézinguer.
On va se barrer. Qu'est-ce qu'elle fait ma bécane là? Oh putain, ça bug! Pas de panique, on est là! Balanceur de la route! Putain, les bugs! Oh my god! Continuez à chercher! Merde, j'ai bien cru que. Merde! Encore en dehors du cercle. Allez, allez, un petit effort. Yes, c'est bon. Et ben on aura bien galéré quand même, hein. Quelle naze. Plus 2000. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait qu'on regarde l'arbre des compétences ensemble. Donc on va attendre après le petit bon, coup de fil. On a pris un coup dans l'aile. C'est le moment d'agir. Bordel. Si seulement on s'était connu à l'époque. On aurait fait des merveilles. T'inquiète. On pourra les faire à Chicago. Ça y est, ton virus est prêt? Plus ou moins. Plutôt plus ou plutôt moins? Plutôt plus. Ça devrait marcher, enfin je crois. Attends, tu te fous de moi? Je vais me jeter dans la gueule du loup, là. Mais panique pas, contente-toi d'atteindre leur serveur. Moi, je m'occupe du reste. Elle est belle, la légende vivante. Merci, Clara. La quoi? Merci qui? Laisse tomber. Bon, voyons cet arbre des compétences ensemble. Alors, 14 points. Bon, en piratage, je peux récupérer plus de thunes, mais... j'ai la thune en veux-tu en voilà, je sais pas comment faire. Restaure le focus lorsque votre niveau de santé est faible. J'ai pratiquement pas utilisé. Expert en démolition, augmente la quantité d'explosifs transportables. Bon, allez, on va prendre ça, ça peut être sympa. Ça peut même être très très sympa. Boost focus, scan CTOS. Ah, ça c'est pour en fabriquer. Ouais, c'est pas grave. Je vais prendre le scan CTOS. Voilà. On s'en fout de la petite pilule. Roi de l'évasion, on le prendra plus tard. Donc voilà, il me reste plus que 2 points de compétence. Donc on est reparti pour la suite de cette mission. Allez, on est fou, on est comme ça, nous. On va le finir, ce jeu, ensemble. Jusqu'au bout. Bloom, c'est l'avenir. Pour que Thibaut vienne à Chicago avec moi, je vais devoir m'infiltrer dans le siège principal. Des experts en sécurité. Ça va pas être simple. Mais c'est du gâteau. Vu que je suis un gros bip sur leur radar. Mais si j'y arrive, Raymond Kenny me devra une sacrée chandelle. Bon, attendez, je me mets un peu à l'aise. Hop, voilà. Je vous dirai pas ce que j'ai fait. Ah, ça reste dans le mystère. Allez, c'est parti. Moi, je suis un fou, moi. Oula, j'ai le hockey. Se faire repérer, pas de problème. Ça, on a l'habitude. Toi, ta gueule. Putain! Je vais vérifier mon matos. C'est un problème technique. Obligé. Ça déjà c'est fait. Oh putain. On aurait déjà pu se faire griller dès le début du jeu.
Je sais pas pourquoi tu regardes l'armoire comme un teubé. D'ailleurs. En fait, j'ai le scan city OS. On va le tester, tu vois. Ça c'est le brouillage, ça c'est le leurre, fragmentation, boost focus. Scan city OS, on va en fabriquer plein. Voilà. Ok, ça c'est cool. Je vois tous les ennemis. Toi, dodo. Est-ce que je suis obligé de l'utiliser? Ouais, je suis obligé de l'utiliser avec... Toi, tu vas faire boum, tiens. C'est quoi ça? Oh putain. C'est quoi ça? Oh putain. Le type qui m'a vendu cette chose va avoir de mes nouvelles. Le type, faut le trouver, vous m'entendez? Il a pas fait son pire. Non, vous êtes sérieux? Du coup, j'ai tout activé. Bon. Ouh, ça fait peur, dis donc, un truc qui se lève tout seul. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour l'attirer, cette teubée? Bon, lui, il n'y a rien pour l'attirer, donc il va falloir y aller à Franco. Ouvrez l'œil. Alors, j'y crois pas trop à ça, mais on sait jamais. Ça. Ah si, ça marche. Magnifique. Ça va m'aider. Connexion au réseau de la sécurité, ok. Bon. On va devoir passer par l'intérieur parce que par l'extérieur ça me paraît un peu compromis avec tous ces mecs. Nom de Dieu. C'est trop tôt pour ça couler douce. Ok, pas de panique. Il doit y avoir une séquence de désactivation. Réfléchis. Ah putain. C'était quoi ce truc? Viens mon petit, viens. Viens voir papa. Le blackout, je vais pas m'en servir. Par contre, les leurres, ça peut être intéressant. Allez, viens voir ce qui se passe, mon gars.
C'est ça, viens, viens. Bim. Moi je suis comme ça, moi. Soyez prudent. C'est vrai que j'ai jamais utilisé les leurres et au final ça aurait pu me servir pas mal de fois. Ah oui, il fallait pas que je sois repéré, quel con! Oh, mais quel gros con! Bon, ben, ça c'est fait, hein? Me dis pas qu'on recommence tout! Ah oui, d'accord. Ouh la vache! Bizarre, mais je crois que ça pue ça. Oh putain, tous les mecs qui sont revenus. Non mais vous déconnez les mecs là. Putain, ils sont tous revenus, c'est la loose. Donc il y a quoi là-haut? Ah, ils font chier à avoir composants électroniques. Ah là 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 là. On s'est servi du site iOS pour lancer une attaque média sur le maire. Quel que soit le support, on jouait avec sa paranoïa en lui mettant des histoires de femmes. Bon, on essaie d'envoyer un leurre. Il avait prédit qu'il demanderait le divorce sous 2 mois. Tu sais combien de temps il a mis ?
un jour. Écoute ça, c'est juste mortel. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, putain, j'ai réussi à avoir les deux en même temps. Classe. Bon, il y avait deux trucs à déverrouiller, ça va encore. Par contre, ça pue. Dans ce sens-là, ça pue. On va laisser les stores fermés. T'es bien gentil, mon gars, mais si je reste là, je vais légèrement me faire griller. Donc on va se mettre là. Alors, comment ça marche, cette merde? Ok, on en a un. Bon, par contre, ici, on va peut-être faire ça. Mmh. Comment je fais pour avoir un troisième ? Alors, réfléchissement. Ça va. Ah oui, j'allais dire ça va au moins comme ça. Bah ouais, c'est bon. J'ai galéré celui-là. Oh là là, j'ai pas tout compris. Hein. Alors, tac, ça, ça ouvre ça. Ça, ça va où? Ça va là, c'est pour la fin. Donc ça me sert pas, ça, ça me sert. Donc là, je devrais en avoir un comme ça. Ok, lui, comme ça, comme ça. Et voilà, je suis dedans. Je suis en position. Magnifique. Quand tu lâcheras le spyware, ça va déposer un virus. Il va scanner le système, trouver mes données et tout effacer. Ils vont pas le détecter, le spyware? Non. Moi, je pourrais les surveiller, mais eux, ils pourront plus me voir. Moi, bon, c'est bizarre, mais je sens que ça va pas se passer comme ça. Je sens que ça va être le bordel. Bonne. Je vois. C'est fait. Ton nom est effacé, le spyware est en place. Ouais, je commence à avoir les pings. Bon boulot. Maintenant, faut foutre le camp. Attends un peu. Un nom est apparu sur les serveurs, il y a quelqu'un que je connais ici. Il faut que j'aille voir ça. Non, 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 déconne pas, Aizen. Ces mecs, c'est pas des rigolos. T'inquiète, je te rejoins. Qu'est-ce qu'il fout là, Damien? Très bien, je vous écoute. Dites-moi ce que vous savez sur la montée. Une chose à la fois. Vous devriez savoir que je suis en possession d'infos sur plusieurs de vos dirigeants. Quel genre d'infos? Du genre qui valent une fortune.
Mais détendez-vous, je compte pas vous faire chier. Vous ne voulez pas d'argent, alors quoi? C'est simple, je vous laisse les infos. Dans ce monde renaissant, quelle est votre prise sur vous? Je veux un accès total au CTOS. En échange, je vous donnerai Kenny, les infos, et même le justicier, une fois que j'en aurai fini avec lui. Je sais, vos supérieurs ne seront pas d'accord. Mais il n'y a pas le temps. Kenny se cache juste ici, à Pony. Plutôt pratique, non? Veuillez m'excuser. On tient Kenny. Allez. Ça pue. Toujours un plaisir de vous rendre service. Oh la vache. L'alarme s'est déclenchée. Fouillez le secteur. Merde. Damien est en train de tout faire foirer. Il s'en rend même pas compte. On a besoin de Kenny. Faut que je le sorte de là. Que ma moto est encore là. Et non. Par contre, il y en a une nouvelle. Oui, il faut que j'atteigne cet endroit. Ok. Va-t'en savoir pourquoi. Bon, c'est pas grave. Damien a dénoncé Thibaune. Il avait dit qu'il me laisserait pas faire et il tient parole. Mais il gagnera pas ce coup-ci. Ah, ça commence à devenir serré, hein. Tu vas bientôt avoir de la visite. Bloom sait où tu es. À mon avis, tu te gourres. Parce que si je me souviens bien, je t'ai envoyé là-bas justement pour m'effacer de leur radar. Et c'est ce que j'ai fait, sauf que la milice est après toi. Ah, il y a des jours où je devrais écouter la petite voix qui me dit de rester au pieu. Oui, là t'aurais dû, oui. Saloperie de bordel de merde. Allez, grouille. Dépêche-toi de rappliquer. Bon, on fera ça la prochaine fois. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était Idan.